Bonjour à tous, Julien Cloarec pour My Coach in Paris. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment effectuer des pompes serrées. Nous allons pour commencer placer les mains sous la poitrine, parallèle et largeur des épaules. Ensuite, on appuie sur les pointes de pied, les abdos restent bien contractés afin d'effacer légèrement la courbe lombaire et de préserver la colonne vertébrale. Sur la descente, on inspire en faisant basculer les coudes le long des côtes, la poitrine vers le sol, le regard bien fixe. Puis on expire en gardant les coudes parallèles et en pensant à une expiration forcée sur l'effort. N'oubliez pas de bien maîtriser le mouvement, de gainer le buste afin d'éviter les mouvements anarchiques. Sur cette phase, nous allons axer le travail principalement sur les triceps et le deltoïde antérieur. On peut également effectuer ce mouvement sous les genoux afin de réduire l'intensité. De la même façon, on va descendre les coudes le long des côtes et remonter en expirant. Cet exercice est couramment utilisé pour le travail des triceps. On peut également réduire l'intensité de ce travail en effectuant le même mouvement sur un plan incliné.